Merci. Merci, peuple du Malongo. Je vous remercie, je vous salue. Je vous salue et vous remercie de m'avoir élu président de la République malongaise. J'ai la joie maintenant d'être accompagné en ce jour historique par monsieur l'observateur de l'ONU, monsieur l'observateur Jean-Marie Michel. C'est son vrai nom, il a trois prénoms. Le blanc est riche, il a trois prénoms. Jean-Michel est ici pour dire à l'Occident que le Malongo est une vraie démocratie. Et il le dira. Car si, monsieur l'observateur, dans un échange de bons procédés démocratiques, nous observe, nous observons également sa famille. Et elle va bien, elle va bien, hein, pour le moment, pour le moment. Mais si par miracle, le rapport de M. Michel nous apprenait que le Malongo n'était pas une vraie démocratie démocratique, ça deviendrait dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer dans une dictature, n'est-ce pas, M. Michel? Il existe des tortures horribles. J'ai fait la liaison. Qu'est-ce qu'il y a? Il existe des tortures horribles en dictature. Tu sais qu'en dictature, on pourrait demander à ton père de mettre un chat dans son anus. Ce serait horrible, ça. Mais surtout que mon père, il est allergique aux poils de chat. Eh oui, eh oui, eh oui. Et avec un félin qui circule impunément dans la boîte à Toblerone, un anti-allergique ne suffirait pas. Mon prédécesseur avait bafoué les règles de la liberté en étant élu avec 200% des voix. 200% des voix. Ce qui est, comme vous le savez, mathématiquement impossible. Je l'ai dénoncé. J'ai dit, papa, mais tu es fou? J'ai donc été élu dans les règles avec une majorité crédible de 150% des voix. Excusez-moi, 150, c'est encore un petit peu trop, 150, c'est trop. Et quel chiffre te ferait plaisir? Non, mais c'est pas... Non, mais il faut dire les vrais chiffres. Les bulletins des urnes que vous avez comptés dans les urnes. Les urnes... Les urnes étaient brûlées, c'est brûlé, les urnes. Non, mais en fait, 150%, c'est pas possible, je peux pas dire ça. Il faut que vous ayez un chiffre crédible, prenez un chiffre comme en Europe, hein, genre 51%. C'est 51%? Déjà... 51%, ça veut dire que la moitié du peuple serait contre moi, donc contre la démocratie, et je serais obligé de les tuer. Non, Jean-Michel, je ne suis pas un criminel. Oh, oh. Peuple malongais, vous avez vu? L'homme blanc veut toujours venir en Afrique pour semer les chaos, déstabiliser les gouvernements, installer des gouvernements fantoches. Et je m'opposerai toujours à ça tant que je n'aurai pas reçu le chèque d'Emmanuel Valls. Hein? Il ne m'a toujours pas envoyé le chèque. Hein? Je suis allé à la poste, il n'avait pas le chèque. Mon prédécesseur n'autorisait le droit de vote que pour les hommes. C'est une honte! C'est une honte! J'ai changé ça. Désormais, la République démocratique malongaise donnera le droit de vote aux hommes et aux animaux, oui! Non, mais vous, c'est aux femmes, vous ne pouvez pas donner le droit de vote aux animaux. Je n'ai pas fini, je vais finir la phrase. Je finis la phrase. Évidemment, pas tous les animaux.
uniquement les vaches et les mammifères marins. Hein? Et le chat du papa de l'observateur sera également autorisé à voter puisqu'il est bien placé pour nous donner son avis. J'en profite de ces moments solennels pour saluer chaleureusement mon ami Nicolas Sarkozy qui nous a fait confiance dans les montages financiers de sa campagne. Également, je profite pour saluer son excellence, le président de la France, François Hollande, qui nous a fait confiance avec les montages de sa campagne. Campagne, 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 pas campagne, hein, pas campagne, pas Julie Gayet. Hein. Julie Gayet a été connue grâce à Hollande. Hein. Avant Hollande, les films de Julie Gayet faisaient plus de sorties que d'entrées. Alors, c'était un lapsus. J'ai parlé de la campagne officielle Trailleur Vélaire. Trailleur Vélaire était au palais la nuit dernière. Hein. Elle a déjà commencé son prochain livre. Merci pour ces beaux moments. Au pluriel, hein. La nuit, on a donné. On a compris, on a compris. Dès qu'elle a la chance de balancer et de faire un euro sur un président, elle y va. C'est une grosse salope. Et il y aura une autre victime, hein. Trailleur Vélaire, jamais 203, il y aura un autre président, je sais. Je sais, les paris sont ouverts, hein. Les paris sont ouverts. Toi, tu dis qui? Je ne sais pas. Obama, tu dis Obama, toi, hein. Si vous voulez, je... Tu dis, moi, je dis Angela Merkel. Je dis Angela Merkel, c'est connu, elle aime les minous, je te dis. Elle a le gros popotin qu'on aime en Afrique, pouvez... là, le gros. Angela, tu as vu Angela? Oui. Okay, vous pouvez pas dire... C'est BMW, wow. Arrêtez de dire. Ne t'inquiète pas, on coupera au montage. On coupera, on fera au montage, on coupera ce que tu veux. C'est BFM et iTélé. Ils ne diffusent que ce qu'on leur dit de diffuser. Nous avons une entente cordiale avec la France. Nous leur donnons du bois. Nous leur donnons des diamants. Nous leur donnons Magic System. Nous leur donnons de l'or, des diamants. Et eux, en échange, ils acceptent. Ils nous ont seulement rendu Magic System, je comprends pas. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Toi, tu aimes? Oui, c'est sympa. Tu aimes Magic System? Oui, c'est rigolo. Baisse un peu pour moi, bouge. D'accord. Mais j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Ne me regardez pas comme ça. J'ai déjà trop parlé. Un vrai démocrate doit aussi laisser parler ses amis. Et j'invite donc à la tribune mon bon ami l'observateur de l'ONU qui est un peu timide depuis tout à l'heure. Il va pouvoir vous rappeler quelques points démocratiques que j'aurais peut-être oubliés. Et pendant ce temps, moi je vais faire un Skype avec sa fille. Qui est au palais. Allez, dis, parle de la démocratie. Tu parles de la démocratie. Eh bien, je tiens à dire que je ne me laisserai pas impressionner par vous. Regarde, je vois ta fille, elle joue avec une grenade, elle s'éclate. Hein. Elle s'amuse là, elle s'amuse, elle a du talent. On voit tous ici ce qui est en train de se passer, même si je dois mourir devant vous. Derrière ce pupitre, même si ma famille doit mourir, eh bien, je te dirai la vérité sur cette soi-disant démocratie. Il est drôle. Il est drôle. Ça te dirait un poste de ministre à la vie, hein, avec un petit palais pour toi, des diamants, des femmes de chambre qui ne portent jamais plainte. Vive la démocratie du Malongo! Malongo!